Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui a sûrement choqué plus d'un en ce mardi 25 décembre. Voilà, tout simplement, puisque Rockstar ont décidé de nous offrir le Up and Atomizer, donc gratuitement. Donc ce sera pas celui avec les motifs de Noël, mais c'est le bleu avec les anneaux jaunes. Donc c'est le même pistolet en lui-même. Donc en fait, c'est le pistolet alien qu'on recherche depuis maintenant environ 4-5 jours pour la plupart. Donc en fait, je vous rappelle, avant Rockstar nous avait dit de faire des guerres commerciales pour le débloquer. Donc on avait jusqu'au 31 pour l'avoir. Et donc aujourd'hui, si on se connectait, déjà on avait la Vapid Click auquel je suis en train de conduire actuellement, qui nous est offert sur Legendary Motorsport. Donc vous pouvez l'acheter encore ce soir si vous pouvez jouer. Donc à 0$, on peut l'acheter une seule fois en tout cas. Et donc j'ai été surpris. Donc quand je me suis connecté, j'ai vu la notification, vous avez débloqué le Up N Atomizer. Et donc j'ai tout de suite regardé dans mon inventaire d'armes et en effet il était présent. Du coup voilà, ça fait grave plaisir. Donc je vais vous afficher quelques gameplays à l'écran pour voir donc tout simplement comment il se présente. Voilà. Voilà, donc comme vous aurez pu le voir à l'écran, je vous ai affiché quelques images du pistolet en question. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu sur Legendary Motorsport, vite fait la voiture. Donc c'est celle-ci, hein, la petite clique. Donc là, on peut voir qu'elle a un 909 000, tout simplement, puisque moi je l'ai déjà eu à 0$. Donc elle est juste à côté de moi, on peut l'avoir qu'une seule fois. Donc là, je vais vous faire écouter le son du pistolet, tout simplement, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc comme on a pu le voir aux images ainsi que au gameplay, vous avez pu voir que le pistolet est vraiment très très puissant, il retourne facilement les véhicules et donc vraiment on a une puissance assez phénoménal, j'ai envie de dire, voilà tout simplement. Et en plus, si vous avez pu remarquer, en haut ça se passe, c'est un peu comme un taser, vous avez une barre de rechargement tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de munitions, il n'y a rien à acheter, on en a à l'infini tout simplement. Et j'ai calculé à peu près pour tuer un PNJ ou une personne, il faut à peu près 3 coups. Mais il faut savoir qu'une fois que vous utilisez ce genre de pistolet, la personne en question, elle fait un salto, le temps qu'elle soit là, vous avez le temps largement d'en tirer un deuxième coup. Du coup, j'ai envie de dire, c'est vraiment cheaté. Du coup, là, comme on peut le voir sur le gameplay, je suis en train de customiser un peu la Vapid Click, en tout cas, vous montrer les différentes customisations possibles sur ce véhicule en question. Donc, c'est vraiment un très joli véhicule, voilà, que Rockstar nous ont offert cette année. Et donc, voilà, donc c'était à peu près tout pour la présentation de cette voiture, ainsi que le pistolet. Mais je reviendrai dessus par la suite dans des prochaines vidéos. Je vous montre plus en détail et je vous parlerai aussi comment, parce que pour le moment il n'est pas à la munition, voilà tout simplement, on l'a directement dans notre inventaire. Donc je sais pas trop comment ça se passe pour ceux qui l'ont eu avec les guerres commerciales, s'ils ont la possibilité de l'avoir en deux exemplaires. Je pense pas, puisque c'est un motif en question. Donc je pense que ceux qui l'ont eu en guerre commerciale, ils l'ont que en vert, en tout cas avec les anneaux blancs et les petits flocons sur le pistolet. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir comme moi dans les guerres commerciales, Rockstar nous l'ont tout simplement attribué aujourd'hui, en tout cas en bleu et jaune. Voilà, donc la version classique du pistolet. Donc voilà, donc sur ce pistolet, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc on verra s'il y a différentes possibilités par la suite de le customiser en détail et tout, s'il se débloquera à la munition. Je regarderai de temps en temps, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je ne sais pas si les joueurs qui se connecteront demain et qui n'ont pas pu malheureusement se connecter aujourd'hui l'ont débloqué ou le débloqueront. Ça, je peux pas vous dire, je sais pas encore. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, profitez bien et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!